Bon alors, le scénario est très improbable, hein, évidemment. Mais imaginons, parce que tout est possible maintenant en Formule 1, vu que Lewis est passé chez Ferrari, on sait jamais. La dernière question de la partie allemande de la séance médiatique était de savoir si Mercedes pourrait maintenant essayer d'attirer Max Verstappen loin de Red Bull vers Brackley. Toto Wolff indique clairement qu'ils veulent bien sûr avoir toujours le meilleur duo de pilotes, sans rentrer plus dans plus de détails que ça, quoi. Il reste évasif. De toute façon, bon, ça paraît improbable, Verstappen, il est lié à Red Bull, ils ne laisseront pas partir comme ça. Ça m'étonnerait. Mais bon, imaginons que ça se produisait. Si ça se produisait, non, là, ça serait pas possible. Honnêtement, je me détournerais absolument de cette équipe si vraiment ils recrutaient Verstappen. Clairement, j'arrêterais d'être fan de Mercedes. Je vous le dis, hein. Verstappen, c'est l'ennemi juré. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils perdraient beaucoup de fans. Bah, moi compris, du coup, mais bon. Je ne pourrais pas envisager que Max Verstappen aille chez Red Bull. C'est juste pas possible. Chez Mercedes, pardon. C'est pas possible. À imaginer, bah, s'ils font ça, franchement, moi j'arrête de supporter cette équipe, hein. Mais je vous le dis, hein, vraiment, ce serait une trahison. Clairement, ce serait une trahison pour moi. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Il y a bien d'autres pilotes disponibles de toute façon. Pourquoi penser à Verstappen tout de suite? De toute façon, il est bien ancré chez Red Bull, il restera, il est comme un pape là-bas, donc il y a pas de raison qu'il change, a priori. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est crédible ou pas? Et que feriez-vous si Verstappen rejoignait Mercedes, du coup?